Hey, je suis Lodo Poulos de Monster Hunter Portable Third. Aujourd'hui, on va aller faire un threesome avec... Un threesome, je le dis mal, un threesome avec les... Comme si ça fallait que je le dise bien. Ah, les gars, ça va tuer deux bullfang. Drôme. J'ai failli dire go, mais drôme. Oh, et regardons qu'est-ce qu'il y a là. J'ai des messages sur Amashi en ce moment. C'est bien, c'est très bien. Je l'ai déjà dit. Amashi, ça a rien de me marquer les mots dessus. Mais pourquoi pas on les lirait pas tout de suite? Tiens, on va les répondre. On va aller voir c'est qui. Je dirais pas de nom. Oh, fuck, la quête a commencé. Pas le temps. Oh, c'est dans cette zone-là qu'on a deux bulldromes. J'ai-tu pris la bonne quête, moi, par hasard? J'en ai aucune idée. Bon, les gars, deux bulldromes. Est-ce que ça va faire planter ma remote joy light? Qui sait, peut-être. Et pourquoi ils nous donnent des couteaux? On peut-tu les prendre? Non, on peut pas les prendre avec nous autres. Bon, on va les prendre quand même. Ah, les gars, les messages sur... Oh, attends une minute, vous avez pas remarqué, j'ai des nouvelles double épée que j'ai juste upgradé de les autres double épées qu'on avait, juste une étape de plus. Il fallait des matériaux d'Orkuzus et de Urukuzuzu. Et j'ai l'armure d'Awashira maintenant. Je voulais me faire une armure avec 69 de défense. Si je le dis comme si c'était normal, mais en tout cas. Mais en fin de compte, j'ai décidé de faire 96 parce que c'est 69 à l'envers. Mais c'est parce qu'on a défense petit que j'ai pas pu faire 69. C'est une longue histoire que je ne raconterai pas, qui est inutile. J'ai fait le stupide. Bon. Mon gars, les messages... Oh, et les talents. Talents, faut que j'oublie. Faut pas que j'oublie les talents. On a défense hop, ce qui implique un petit peu mon histoire. On a gourmand ou quelque chose de même, ça s'appelle. En tout cas, c'est un talent pour qu'on... Mais le talent qu'on a de gourmand, c'est peut-être que la bouffe nous remplit plus de stamina que normalement. Bon. Et l'autre, je me rappelle plus c'est quoi. J'ai toujours un blanc, mais ça c'est quelque chose d'inutile. C'est quelque chose d'inutile, bon. J'ai un blanc, pourquoi j'ai un maudit blanc? Je le sais pourtant, c'est quoi? Oh my god. Je l'ai oublié. Je l'ai fucking oublié. Non. Pourquoi? Manga, les messages sur Amashi. Qu'est-ce qui est marqué? Bonjour, Manka. Je suis allé sur Eden. Et mon magasin, on l'a volé. T'as fait un magasin, what? Mais, dans le fond, si vous voulez pas vous faire voler dans le serveur de Terraria, c'est bien de garder vos items que vous voulez pas vous faire voler sur vous autres. Et au pire, vous pouvez vous créer deux personnages pour aller chercher tous vos items pour vous les garder sur deux personnages. C'est une bonne tactique que quelqu'un m'avait dit. Merde, c'est ça, mais je peux pas empêcher tout le monde de voler. Parce que, de toute façon, la seule carte que je joue dessus, c'est les samedis bonus. La carte des samedis bonus. Fait que, coudonc. Il y a un bulldrome ici, il est à gauche, je pense, qu'on a vu. Il est là, yeah! Et mon micro, ah non, il est correct. Mon micro, qu'est-ce que j'allais dire là? Je voulais regarder l'autre message, je trouve que je peux pas jouer sans regarder. Je peux pas tuer un bulldrome sans regarder l'écran de PSP, malgré que je la regarde quasiment jamais de toute façon, la maudite écran de PSP. Et maudite analogue que je l'ai. Malkai, es-tu là? Réponds-moi si t'es là. Pourquoi tu me réponds pas? Parce que je suis pas là. Je te réponds pas parce que je suis pas là et j'ai déjà dit que je regardais pas souvent cet ordi-là. Fait que c'est ça qui est ça. Ça me fait rire. Pourquoi? Réponds-moi si t'es là. Puis après ça, réponds-moi. Pourquoi tu me réponds pas? Parce que je suis pas là. Ça a répondu. Il me semble. Tiens. Oh les gars. Deux bulldromes et on va ignorer Amashi. Vous faites un petit peu rire. Désolé de rire de vous autres. J'ai pas dit non. Évidemment, je dirais jamais de non. Mais écoute, des beaux messages. Très beaux messages. Et non, va me foncer dedans. Va-t'en, maudit. Je me suis fait frapper. Oui, je me suis fait frapper. Je regarde pas vraiment comme faut. Et mon analogue va vraiment de plus en plus mal. J'aime pas ça. Ma PSP est avec de mourir. C'est pas bien. Est-ce que je vais avoir le temps de finir là? Oh! La LP de Monster Hunter Portable Third ou pas? J'en ai aucune idée. Mais là, je suis... Oh my god, what the fuck, il m'a suivi jusqu'ici. Bon, ben c'est bien. Comme ça, on va avec one-on-one, ben deux, parce que Luigi est ici. Maudit Luigi qui est... Je l'aime, Luigi. Et dis donc, je viens de me faire massacrer. Oh, ça, c'est dommage, hein. Maudit. Mais, hein, les gars, on va tuer un bulldrome. Et on va faire une autre quête après les bulldromes aussi. On faisera pas juste les maudits bulldromes, parce qu'on a eu les bulldromes. Et peut-être que la prochaine vidéo va être une vidéo plus longue parce que j'ai l'intention de faire deux gros boss que vous savez probablement c'est quoi, mais on spoilera pas tout de suite, pourquoi pas, pour ceux qui veulent, qui essayent pas de penser. Ça fait pas de sens, qu'est-ce que je viens de dire, mais écoute, c'est pas grave. Oh, enfin, il est tombé, il était un petit peu temps, et là, on va faire une Demon Dance. Toujours plus de Demon Dance, et on a un superbe salaud avec son élément de feu, toujours bien, et il a fait une
un shiny. Oh, il est à veille de mourir. Il est mort, ok. Il était à veille en mousse. Maudit Bell Fango. Je te hais. Je voulais aller chercher mon shiny. Donne-moi mon shiny. Merci de me donner mon shiny. Est-ce que ça est... J'ai aucune idée. Je m'attendais que c'est écrit en anglais pour une raison que j'ignore. Mais non, on est en japonais. Et c'est en plein qu'est-ce que je pensais que c'était. C'était une affaire de Pelagus ou quelque chose de même. Je pense que c'est des... Fuck you, des pleurs de Pelagus. Je sais même pas comment ils le disent en français. Des gouttes... Des pleurs. Ça doit être des pleurs. Qu'est-ce que je dis là? J'en ai aucune idée. Bon les gars, c'est ça. Parlez-moi pas sur Hamachi, ok? Bon. Parce que j'en la regarde jamais. À part le samedi, ben souvent, c'est le samedi que je vais aller le voir. Mais à part ça, non. Non, non, non. À part quand que j'oublie de remettre mon son muté. Et quand que je fais mes vidéos de PSP aussi, que je fais cet ordi-là, parce que je suis trop lâche pour copier-coller Remote Joy sur mon autre ordi. C'est la seule raison. Mais écoutez, et en fin de semaine, on est vendredi à ce moment que ben, certains vont être samedi, mais certains d'autres qui écoutent mes vidéos le tard le soir, on est vendredi pour vous autres. Et où est parti Petit Bullfango? Probablement à 1. Et c'est Bulldrome, pas un Bullfango, maudit stupide. Ben les gars, et sous Steam, Dungeon Defenders, qui est gratos jusqu'à, je sais plus trop quoi, jusqu'à lundi, peut-être. Oh, des popos, des popos! Mais j'ai décidé de l'essayer, parce que pour une raison générale, ben, tous les jeux qui sont gratuits sur Steam, la fin de semaine commence toujours le vendredi. Ici, en tout cas, je sais pas pour vos autres places, et my god, le Bulldrome n'était pas ici, fuck, fait que tournons en rond. Fait que j'ai décidé de l'essayer et j'ai bien apprécié, oui. Je vais certainement jouer en fin de semaine encore plus à Dungeon Defenders pour voir comment ça va se passer. Mais écoute, je voulais juste dire ça, que je vais jouer à Dungeon Defenders. Fait que vous risquez de me voir sur Steam avec Dungeon Defenders. C'est juste ça que je veux dire. Mais évidemment, samedi, demain, c'est Terraria. Ou aujourd'hui, pour... Pourquoi j'essaie de dire tout le monde, là? Demain, pour moi, c'est Terraria. Et oui, ne me parlez pas sur ma chie. Faut que je la redise, parce que je l'avais déjà dit plein de fois de pas me parler sur la machine. Et comme je vous l'ai prouvé en ce moment, il y en a d'autres. Il est où, le maudit Bulldrome? J'étais allé partout. Où est-il, à part CCS5? Honnêtement, j'ai pas d'expérience contre les Bulldrome de cette zone-là, mais je pense qu'on est en accéléré en ce moment. Yeah! Oh my god, ça lag en ce moment. Attends, je vais fermer les maudits Hamachi qui viennent de me massacrer. Merci, mon diable. Pourquoi mon diable? J'en ai aucune idée. Et Remote Joy, please, arrête de bugger autant que ça. Oh, 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 pourquoi il s'enfuit, lui? Pourquoi je m'en vends un? J'en ai aucune idée pourquoi je m'en vends un, mais c'est pas grave. Je voulais aller à 5 et à 6, voir qu'est-ce qui se passerait. Après ça, aller à 7. Après ça, aller à 2. Après ça, tourner en rond, sans jamais voir le maudit Bulldrome. Mais il est là, le maudit Bulldrome, enfin, my god, il était temps, mon maudit salaud. Pourquoi, Bulfango, vous êtes moins chien que dans le premier? Pourtant, pourquoi vous vous acharnez à me faire souffrir autant que ça? Pourquoi? Tiens, mon cher Bulldrome. Oh, ah non, je l'ai manqué. Mes deux coups. Non, please, please, meurs. Non, non, va-t'en pas. Non, non, mon maudit Bulfango de Schnutz. Un massacre en plus. Qu'il a été massacré. Mais non, il est supposé être ici, mais là, il est en arrière de nous autres. Ah, en plein ça, maudit salon. Ok, fait que, j'allais dire, il doit rester trois coups. Sauf qu'il en restait encore moins que trois coups, c'est-à-dire un maudit. J'ai-tu dépassé l'autre? Probablement pas, j'en ai aucune idée. Comme je l'ai dit, je regarde jamais mon maudit écran PSP, pourquoi je fais ça? Parce que là, je suis en train de regarder mon mur. C'est bien plus intéressant à regarder un mur. Bonjour, petit mur vert. Comment vas-tu? Voudrais-tu que je te frappe? Regarder un mur est plus intéressant qu'à regarder une vidéo. Regardez le mur tout de suite. C'est fait? C'est bien! Maintenant, on va continuer. Et on va aller chasser des affaires bleues qui aiment ça nous endormir. Pour aller nous agresser dans un coin aussi. Et j'ai pas oublié mes pickaxes, c'est très bien de mentionner ça parce que je les oublie toujours avec mes bugnets. Mais aussitôt que je les mets dans mon équipement, je les enlève jamais par la suite par exemple. Jusqu'à temps que je les enlève, après au moins 20-30 heures de jeu, je les enlève et après ça, 30 heures plus tard, je me rappelle qu'il faut que je les remette dans mon équipement. Et c'est environ ça qui se passe. On va aller détruire un nid de Gigi. Oh non! J'ai pas pu détruire le nid. Et Luigi... Non, non, c'est salaud, ça. Comment j'ai pu le confondre? Excuse-moi, petit Luigi. J'étais confondu avec salaud. Je suis triste. Pas vraiment, mais on va tout prendre les cochonneries qu'ils nous donnent. On a tué deux Bulldrome en je sais pas trop combien de temps. Un petit peu trop de temps, probablement, vu que j'ai tourné en rond. Sauf qu'on peut accélérer ces parties-là. Ce qui est plaisant avec la magie de l'éditage. On va prendre ces deux talismans-là que j'ai aucune idée c'est quoi. Parce que j'ai pas mémorisé les maudits symboles pour les talents. Ce que j'avais déjà fait. Mais écoutons, parce que j'ai oublié, c'est quoi mon troisième maudit talent? Je sais pas comment j'ai fait pour oublier ça, mais écoutons, on va aller chasser... qu'est-ce que je parle? On va aller
dans les maudits 10 baggies. Bon, merci. Oh, j'ai oublié de mentionner que j'ai acheté quelque chose dans cette superbe zone-là. Qui est le ça, le miel. On m'a tout pris de trouver c'était quoi, mais je sais pas pourquoi. Le miel, que normalement on a une scène à chaque fois qu'on ajoute quelque chose, à part quand que c'est des affaires qui se montrent pas, parce que une scène qui montre en gros plan la boîte ici. Fait que, regardez là, regardez cette boîte. Imaginez-vous, je pourrais quasiment zoomer pour faire la même maudite scène, mais que là on ne faisera pas, parce que je m'en vais d'ici. Malgré, c'est juste ça que j'ai fait, et je sais pas quand est-ce qu'ils sont ajoutés, par exemple, mon maudit micro, attends une minute que je te remonte, mon cher, tiens. Et, je sais pas quand est-ce qu'ils sont ajoutés, mais probablement après que, quand j'ai débloqué Rathian, la quête urgente de Rathian, il y a d'autres choses qui se sont ajoutées, comme 3000 points pour les champignons, je l'ai pas fait parce que ça me tentait pas, et... je pense que c'est un entraînement pour les chats, ça, qu'on va expliquer un petit peu plus tard quand je vais toutes les avoir, parce que ça me tente pas d'en faire un à la fois. Je vais être préparé pour l'expliquer, parce qu'il y a des affaires qui peuvent ne pas être faciles à comprendre, surtout parce que c'est pas traduit avec les patchs non plus. Ben, la dernière fois que j'ai regardé avec les patchs, c'était pas traduit les affaires d'entraînement pour les chats. Fait que je sais plus maintenant s'ils sont, en ce qui concerne l'entraînement avec la chute et tout le kit, et les talents que les chats donnent en s'entraînant de même, mais là je suis en train de l'expliquer, faut pas que je l'explique, je l'expliquerai quand on sera rendu là, my god. On va aller chasser 10 baguilles. Go pour les 10 baguilles, j'espère que c'est pas comme dans Tri où c'est que c'est assez pénible de chasser les maudits 10 baguilles. Mais vu que j'ai aucun souvenir de cette quête-là dans Pither, j'espère que c'est pas trop pire, mais j'imagine que ça l'est, my god. On va prendre une superbe ration, et un petit peu n'importe quoi. Et mon talent, est-ce qu'il va m'aider en ce moment? Oui! Yeah! Et contrairement à... si j'ai juste plus 10, je crois... c'est où est-ce qu'on le voit au complet? Ah, je l'avais oublié que c'était ici. Bon, j'ai plus 11 dans ce talent-là. Si j'aurais plus 15, ce serait à 100% de chance que ça augmente toujours ma stamina au max. Plus, en tout cas, avec une ration au max, dans le fond, ça augmente l'efficacité des... Oh, j'ai oublié de m'acheter des hot drinks! Non, les chocolats chauds. Pas vraiment des chocolats chauds. Ben, ça pourrait être un chocolat chaud, ils nous le disent juste pas. C'est un breuvage chaud. Fait que, on va dire que c'est des... Oh, y a-tu des baguilles ici? Je regarde pas mon écran. Non, ok. Et, alors, on l'expliquera quand on sera rendu là encore une fois. Faut pas que j'aille trop d'avance parce que j'aurai plus rien à expliquer plus tard. Et ça va rendre les vidéos encore moins intéressantes parce que j'avais encore plus la même maudite chose. Sauf que j'aurais rien à dire en plus dans les autres vidéos. Fait qu'on va se garder ça pour plus tard. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça avait un rapport avec le passage secret, évidemment, qu'on connaît tous, que Devil Joe ouvre normalement, mais dans celui-là, il y a un petit twist à cette chose-là, fait qu'on va aller... Et oh my god, enfin, merci! Merci, petit Baggy, d'être ici! On va pouvoir en tuer 3, comme ça, il va nous en rester juste 7. Fait que, yeah! Oh, mon salaud, t'as essayé de m'agresser par le côté, à part de ça. Non. Et... oh my god, eux autres sont plates les baguilles parce qu'ils revolent puis sont pas nécessairement morts aussitôt qu'ils revolent puis ils ont un petit peu trop de vie à mon goût. Non, pas vraiment beaucoup, mais ils sont juste plates comme ça, lui il a revolé. Et il se relève, yeah! J'aurais pu me donner ces deux coups-là à la place qu'ils revolent, mais non. C'est juste, je me plains pour rien en ce moment, ok? C'est juste ça. On va avancer mon micro un petit peu parce qu'il m'énervait à cette place-là. Et la zone 6, généralement, c'est la zone aussi qui aime ça... agresser les chasseurs. Et oui, en effet, regardez-moi ça, comment il y en a des baguilles ici. C'est peut-être pour ça. Et une... il y en a-tu 5 par hasard? 4 plus 2, ça fait 6. Il en manque juste un. Oh my god, il en manque juste un. C'est dommage. Arrêtez de me frapper, maudit chat. Il en manque 5, en fin de compte. Non, mais à moins que j'en ai manqué d'en calculer un. J'en ai aucune idée. Mais j'espère que non, j'ai pas oublié. Ils devraient faire une danse pour eux autres. Demon Dance! Oh my god! Une autre danse pour toi, mon cher. Tiens, je te danse dessus. Oh, il est mort? Please! Non, il est pas mort, dommage. Bon, on va arrêter la danse. Parce que ça, c'est extrêmement inefficace contre les baguilles, vu qu'ils font juste se promener un petit peu partout. Il est mort. On peut savoir qu'il était mort parce qu'on a passé au travers. C'est-tu plaisant? Passer au travers des monstres, juste un peu. Fait que pour cette quête-là, la zone 6, c'est l'idéal. J'espère que vous l'avez noté, parce que si vous la faites, elle est dans zone 6. Et j'imagine qu'ils réapparaissent. Normalement, ils réapparaissent, ils sortent de ce petit trou-là. Mais vu que ça me tente pas d'attendre et d'essayer, on va aller à 7. Et tout d'un coup que les baguilles réapparaissent à 7, on va
Évidemment que non. Mais tout d'un coup que les Baggy réapparaissent à 6, ça va être le dernier. Non. On va aller à 5. J'hésitais entre passer par 4, 3, 5, mais je vais faire 5, 3, 4 à la place. Parce qu'on est allé à 1 et 2, il n'y avait pas de baggy dans cette zone-là. Fait qu'espérons qu'il y en ait un. Il en faut juste un. Comment je vous parie qu'il est à 4? Je vous parie qu'il est à 4, le maudit. J'aurais dû aller l'autre bord. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. Mais non, mais non. Oh my god, il y a un bulldog qui vient de nous apparaître dans la face. Bonjour, mon cher. On sait que notre camp d'ici. Sans aucun... Oh! Il fait noir. On est la nuit. Oh, il y a des bulles, piggy, il y a des piggy. J'ai été des deux bords, ça aurait été pareil. Oh my god! Fait que tiens, il est pas mort parce qu'on n'a pas fini la quête. Et il est mort parce qu'on a fini la quête. Yeah! Alléluia, on va le dépecer parce que... Faut bien que sa mort serve à quelque chose. Ben, elle a déjà servi à quelque chose. Elle a servi à finir la quête. Yeah! Pour sa mort utile. On va dire qu'elle était utile. Mais coudonc. Coudonc. Oh, je vais me faire sacrer dans la bombe. Merci, salaud, de m'avoir fait exploser. Maudit salaud! Maudit salaud de schnapps. Oh non, il a massacré salaud. C'est un bon baggy. Je te tuerai pas pour ça. Très, très bon baggy. Bonjour! Tu veux sauter dans ma face? Tu veux sauter dans ma face? Oui, tu me cries-tu? Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Oh my god, une bombe! Salaud, comment oses-tu massacrer mon nouvel ami? Maudit salaud! Tiens, non, 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 tiens! Ouch! Ok, tu l'as massacré, salaud, puis tu m'as embrassé. Ouh, il voulait juste me faire un câlin. Oui, moi aussi, je vais te faire un câlin, mon cher Baggy. Il est ainsi que je te fasse un câlin, mon cher. Non, il y a des plantes ici qu'on peut dépecer. Qu'on peut cueillir, plutôt. Qu'est-ce que cette plante? Oh my god, c'est pas là pendant tout. Et, j'en ai aucune idée. Une plante que je n'utiliserai probablement jamais. Frost herbe, quelque chose de même, herbe gelée, Probablement. Et vu que ça me tente de le dire, on est rendu à la fin de la vidéo. Parlez-moi pas sur un machin, ok? Ça a rien. À part si c'est... attends une minute, c'est quoi mon nom? C'est Malkai? Ok, à part si c'est Malkai 6255 que vous voyez sur un machin, ne me parlez pas. Parce que Malkai 16255, c'est le serveur. Et il parle pas, ce maudit serveur-là, ok? Il fait juste dire... Bon! Fait qu'il dit rien d'autre. Ok, on prend les cochonneries. Si vous avez des questions, allez sur YouTube, me les poser. Et là, je vais leur répondre. Je réponds assez vite, normalement, mais c'est pas tout le temps le cas. Fait que soyez patients et je vais répondre, évidemment. Mais c'est pas sur un machin, bon! Fait que maintenant que c'est dit, je vais vous dire merci d'avoir regardé et bye bye!